Blanche. Alors nous revoici dans une nouvelle vidéo. Et Mélissa de retour. Oui. Du coup je peux plus dire le... Et aujourd'hui nous sommes à Gothenburg. Quoi? Bah, en Irlande c'est... Mais on est à Bruxelles. Il y a les cloches qui... Et on vient visiter... Gothenburg. Comment tu dis? Gothenburg. Bah moi je dis Gothenburg. Je sais pas comment ça se dit. Gothenburg. En fait on va visiter... C'est et puis le fromage. Mais non. Bon, on dit c'est un troll, va être... C'est les catacombes. En fait on va visiter une ville en dessous de la ville. Les catacombes. On vous y emmène. On y va. Il y a pas mal d'années, ils ont découvert une ville ancienne en faisant des fouilles et du coup ils ont laissé. Et donc on est dans la ville en dessous de la ville et c'est ça qui s'appelle Gothenburg. Quoi le rigole l'autre ? Où on est maintenant, en fait on est dans les bas-fonds de l'ancienne chapelle qui a été construite sous le règne de Charles Quint, donc de 1522 à 1553. Donc après quelques d'énormes années, ils ont reconstruit la ville au-dessus. Et donc ça donne ceci, avec des gros piliers comme ça. Et des murs à l'ancienne. L'impression que c'est comme les nefs d'une église, voilà, en... comment on peut appeler ça, regardez, parce que comme je disais, c'est les caves de l'ancienne chapelle. Ici, là où on est maintenant, c'était l'ancienne rue Isabelle. Et aujourd'hui, en fait, c'est la place, je ne sais pas comment elle s'appelle. Je vais vous montrer, en fait, quand vous êtes près du Palais Royal, il y a un grand rond, une grande place, si vous voulez, où il y a les trams, les voitures qui passent. Et en fait, nous, on est là en dessous. Je vous montre. Donc voilà, ça, c'est le plan où nous sommes en dessous. Mais si on regarde au-dessus, on arrive là. You pull me through. I give it up to you. I do it all for you. Maybe this feeling's overdue. You're mine, mine, mine. It's right, right, right. It's right.
là, vous ne voyez pas. En fait, à l'extérieur, on est vraiment sur la place qui est montrée ici. Mais on est plus bas. Donc, voilà ce que ça donne. Plus bas que terre. Et qu'est-ce que tu disais ? On est plus bas que terre. Il y a un trou qui est très profond. Plus profond que mes sentiments. Et on est plus bas que terre. Ah, pas faux. Pas faux. Oh, regardez. Là, en fait, c'était des fosses où tous les déchets étaient évacués par là, comme je vous ai montré sur le plan. Pardon. Et là, elle me casse les pieds parce qu'elle a trouvé une souris morte. Mais elle est trop chou, maman, il faut que tu ailles voir. Elle se fout de ma tête, c'est pas possible. Il y a un trou et un numéro, donc on doit regarder. Effectivement, il y a une souris, mais c'est pas une souris morte. C'est Ratatouille. C'est Ratatouille qui est venue de la France. Ici, ce qui monte, ça s'appelle Olamagna. Et apparemment, on est en dessous de la place royale, entre le mur de fondation de l'actuel musée des instruments de musique et le mur extérieur de l'ancienne salle d'apparat du palais. Et voilà, donc ça donne ceci. It's right now. En fait, c'était une salle prestigieuse qui accueillait, je lis, hein, désolé, donc qui accueillait plein d'événements et c'est ça qu'on peut visiter. Donc, c'était nous, on est en dessous de ce bâtiment-là. Concernant donc le Olamagna, j'essaierai de vous expliquer ça en commentaire, enfin en description en dessous, ou alors j'essaierai de enfin lancer mon blog avec toutes les explications. Ce sera beaucoup plus facile parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses à dire qu'on ne peut pas dire en vidéo. Enfin, à ce moment-là, c'est une vidéo d'une heure et c'est pas possible. Donc, je vous informe de tout ça. Donc voilà, petit souci, c'est que dans la visite qu'on a eu l'habitude de faire, ce qu'on l'a fait deux fois, il y a une grosse partie qui est annulée. Parce qu'ils sont en train de faire des nouvelles fouilles archéologiques. Du coup, on n'a pas su faire tout. Voilà. Voilà pourquoi il faut revenir plusieurs fois. Allez, on y va. Voilà. Donc, c'est ici qu'on va terminer cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, bah... likez, vous laissez des commentaires. Voilà. Surtout, l'important, c'est de liker et laisser des commentaires. On vous y répond. On regarde toujours. Bah, j'y réponds. Et partagez un maximum nos vidéos. Ça me fait super plaisir d'avoir plein de nouvelles personnes qui viennent nous voir. Sur ce, on vous dit à la semaine prochaine. Et on vous fait des gros... bisous. Bye. Bye.